Salut à tous et bienvenue sur KO Gaming, c'est Yuma et on se retrouve pour notre 19e épisode sur Pokémon Let's Go Evoli en compagnie de KO. Mais oui, toujours présent, salut tout le monde. Et nous sommes avec un petit osselet. Voilà, parce qu'on a remanié l'équipe, ce que je déteste faire d'ailleurs. Je déteste changer d'équipe comme ça en cours. J'aime bien choisir mes Pokémon et aller jusqu'au bout avec, mais là, Onyx n'avait pas assez de PV, c'était trop compliqué. Donc on a préféré changer. Moi j'aime bien moi le faire ça. De quoi? Bah changer un petit peu d'équipe, même en cours de niveau, hein, pas en recommençant tout bien sûr. Ça permet de varier les plaisirs je trouve. C'est marrant comme on a deux façons complètement différentes de jouer tous les deux. Donc oui, nous avions fait la reine plante la dernière fois. Qu'est-ce que c'est, un aéromythe? Oui. Mais il est si blanc que ça? C'est pas un chromatique? Non, je pense pas. Ah non. Il semblait plus blanc à l'extérieur. On n'en a pas d'aéromythe, ça tombe bien. Non. Donc oui, nous avions fait l'arène plante la dernière fois avec 10 niveaux d'avance, c'était génial. Et on a voulu s'essayer directement à l'arène poison et puis on s'est aperçu que les dresseurs intermédiaires avant le champion avaient exactement les mêmes niveaux que nous en termes de Pokémon. Voilà. Ce qui fait qu'on a décidé de repartir farmer et voir les dresseurs qu'on avait évités il y a de cela deux épisodes. Alors nous, du coup, on va laisser les dresseurs pour la prochaine arène. Oui, pour la prochaine arène, et puis là, tu vas farmer des Pokémon sauvages. Voilà, exactement. Voilà. Tranche. Waouh, merci Dracofeu. Quand il a mis « veut apprendre », j'étais content. Oh, c'est... Ah, c'est ouf ça! Tu es déçu par Dracofeu, hein? Non! Hein, vous. Non! Je ne serai jamais déçu! Je ne pourrai jamais le dire! Non, je ne le dirai pas parce que je ne le pense pas, il est génial ce Pokémon! Attends, je suis sûr que s'il apprenait Mimikyu au prochain niveau, tu te poserais des questions là! Mais non, c'est comme ça, point! Non, mais de toute façon, tu ne pourras pas changer d'avis sur Dracofeu, c'est... ça arrivera pas! Et je regarde ses prochaines attaques. Oui. Bah t'as le temps. Ouais. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Oui. La bonne, c'est que la prochaine attaque apprise, c'est Lance-Flamme. Ah. La mauvaise, c'est que c'est pas avant le niveau 54. La petite information. Oh yes. Et B. Ça recommence. Ah. Évidemment, il a bougé. Ah, mais ça va. Genre des roucoups qui résistent avec des hyperboles. La dernière fois en plus t'avais mis des superboles, ils étaient rentrés direct. Oui. Bizarre ça. Non mais là ça commence mal. On va aller buter un petit dresseur, hein, ça va nous faire du bien. Comme je vis toute seule, j'ai attrapé des Pokémon pour me protéger. Et je leur ai appris l'attaque Taser. Là c'est des Pikachu quoi. Ouais c'est ça. Ou des magnétiques. Ah bah non, un Caninos. Canicule. C'est pas mal hein, quand même. Hein. Pour un niveau 33 contre un 37. Là, bah ouais, mais là c'est cuit. Ah, peut-être pas. Ah non, putain.
Bien joué. C'est pas mal, aussi, hein. Bien joué, bien joué. C'est fou. C'est une blague, là. Ah, tu le laisses. Qui sait qui va prendre un bon bain? Ouais. Surtout, c'est violent. Son poing est tellement gros, ton drago, ton Eliator. Dragonor, hein, je vais l'appeler. Et c'est un super nom, Dragonor. Non, c'est pas mal, hein. Putain, il faut le noter. Un nouveau jeu Pokémon avec un seul Pokémon. Voilà. Dragonor. Dragonor. Bon, attends, c'est le début d'une nouvelle génération. Ouais, c'est clair. T'imagines si l'un de tes trois starters était un type dragon? C'est pas mal, hein. C'est vrai qu'on a toujours eu feu, eau et plante au début. Ce serait assez innovant de mettre d'autres types. Bon, je pense que dragon, ce serait trop cheaté. Oui. Petit insecte. C'est le truc tout pourri pour commencer. Je sais pas, roche, sol et combat par exemple, ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Roche, ouais, sol et ouais. Combat, c'est pas non plus les gros trucs infaisables quoi. Non, c'est sûr. Alors dans la vraie vie, les oiseaux viennent du ciel. Dans Pokémon Let's Go, ça vient des feuilles. On leur met dans la terre, ok? Oui, c'est ça. Ils veulent. Allez, hein, toi. Ah, du bouti. Il t'a pas attaqué une seule fois. Non, il est chaud, ce Pokémon. Là, il touche la tête. Ah, c'est maintenant qu'il faut rentrer. Non, c'est clair. Allez. Oui. Voilà. Ouf. En fait, il attendait le lancer parfait, c'est ouais, tout. Ouais, c'est ça. Je ne veux que l'excellence. C'est marqué qui se gave. Mais c'est dingue, les, comme tu me disais, les échanger. Je suis impressionné. Oh. Viens là, toi. Le gros taureau qui pop ouais. D'un coup là. Ça fait nulle part. C'est un type normal, taureau. Oui. J'allais dire, ça aurait pu être un nouveau prétendant. Niveau 38 hein, quand même. Oh non. Mais il est vachement rapide son sac là. Ah! Est-ce que lui aussi voulait un jet excellent pour rentrer? J'espère. Yes. Et voilà! C'est génial! Ah, c'est bon, ça, lui, il va rapporter. Ouh, 871! Alors. Ah! Ah oui, c'est vrai. Niveau 36, on attend. Hein. Les données du tauros, ok, ont été ajoutées. Ce Pokémon buffle. Ce Pokémon brutal est très endurant. Rien n'arrête sa charge tant qu'il n'a pas pu vérifier sa cible. C'est un combat. En gros. Après, ça correspond bien au caractère des taureaux. Hein. Oui, c'est sûr. Moi, jamais je me risquerais à rentrer dans le champ d'un taureau. Il vaudrait mieux pas, effectivement. En fait, ça dépend. Si t'as pas en grippe, ça passe. Mais alors, si tu prends en grippe, le truc, t'es foutu. Allez, plus que 29 taureaux, ça en aura autant que Sacha.
pour avoir autre chose que des roucoules. Voilà. J'ai envie de demander un petit roucoule. Oh non, le cercle est devenu méga gros au dernier moment. Oh, gauche, t'es pas mauvais. C'est à droite où t'as le plus de mal. Ouais, à droite, j'y arrive pas. Au bout, il y aura pas. Ça va être tout nul. 250. Ça aurait pu être pire, mais bon. C'est pas ouf quand même. Cool. Boostiflore. Je sais même pas si on l'a, lui. Je suis pas sûr, effectivement. Non. Faut pas qu'on l'ait. Oui, je suis pas sûr. Niveau 35. Je crois qu'on avait eu un Chétiflore. Oui. Mais pas un Boosty. Mais du coup, on l'a. Ouh, 638 points d'expérience. Ah. C'est pas mal les boostiflores. Ouais. Oh, l'Eviator va prendre colère. Ah, t'es pas assez énervé déjà? Oh, une attaque dragon en plus. 120%. Pendant 2 ou 3 tours avant de devenir confus pareil que Mania du coup. En fait, cascade et ébullition, c'est la même chose. Ouais, les deux sont pareils. Après, ça te fait 32 pp d'un côté. Et Draco queue par rapport à colère, ça donne quoi? 60 pour 90, hein. Ouais. En gros, l'avantage de ce Draco queue, c'est que ça envoie quelqu'un d'autre en face. Mais niveau puissance, c'est pas ouf. Là, par contre... Ça va pas être la même. Ouais, ça c'est pas mal pour une attaque de fin de combat. Ouais. Le Pokémon carnivore, et c'était effectivement ton premier. Ah non, j'ai pas vu la description du coup. Ouh, viens ici toi. Non. Reviens. Je me casse. Ah, il revient. En tout cas, tu sauras que les boostifleurs, ça rapporte pas mal en termes d'expérience. Ouais. Les aéromites, je sais plus, je m'en rappelle plus. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, là, c'est un super bon. Si les reins, ça va être nul, mais... Bon, ça va, ça va pas être plus catastrophique. Hein. Oui, oui, ça va être ça. C'est mieux super ou joli? Non, super. Ouais, 800 quand même, hein. C'est bien, on forme bien, là, ça va vite, là. Hop, hop, hop. Ouais, donc c'est mieux joli, t'as dit, hein. Non, super. Ah, donc c'est bien, alors. Je l'avais même pas vu. Il a coupé les derniers moments, c'était bien. Non, mais. Non, 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 non. Je t'explique. Je suis là. J'entends des bruits d'herbe derrière moi. Ouh, Lizzy! Oh non, je l'ai pas eu là! C'est une blague! Qu'est-ce qui ressemble pas du tout à sa sous-évolution? Lui. Allez, arrête! Oh bon, oh! Mais c'est insupportable, elle va pas rester en place, elle va me tuer! Faut de la lumière, je vois. Ouh. Non, c'est une blague. Il a bougé au dernier moment dans ta direction en fait. Mais le cercle il était parfait donc. Oh, le coup de bol. Là c'était vraiment pas fait exprès. J'ai gagné mon. C'est ma gueule. C'est nul. 44 et tout.
Ça prend peut-être en compte aussi la taille du Pokémon, peut-être. Ouais, je sais pas. Papy Poison. Je suis sûr que tu le préfères en Mimikyu. Oh bon, non, il est mort. Ah, il a bougé. Il a bougé d'un moment, ouais. Oh, il est rentré. On aura le quoi, tout le monde. Oh, le gros troll. 1,8, 600, bon, ça va, hein, c'est pas non plus. C'est bien, c'est bien. Pas non plus tout pourri. Ah oui, putain, c'est vrai. Hein? Osselet n'évolue plus? Eh oui, il a eu peur. Quoi? Il y a un petit aéronique, là. On a un bon combo, là. Ben voilà. Parfait! Tu tombes à pif, toi. Tu n'auras jamais autant capturé d'aéronites de ta vie. Si j'avais pas. Ah d'accord. Mais par si j'avais. Ouais. Arrête de bouger. Tu me gaves, hein? Dis un Pokémon. Allez! Putain, mais c'est ton Pokémon qui va partir! Mais si, mais si! Il se casse. Avec ses buts. Oh, un boostifleur, tiens. Oh non, oh non, non, tu vas pas tuer ton coup. Voilà, reste au milieu. Ah. Oh, puis ça en plus c'est des. Des sacs à. Des sacs à expérience quand même. Je suis bien excité. C'est des débiles là. Attention KO. Ah, ça a marché niveau direction. Ça a marché. Je ne t'ai pas tué. Ouh. Ce serait le moment là. Hein. Oh, oh salaud. Je te fais désirer petit le venard. Allez. Deux fois chance. Là. Allez. Oh. Rien à foutre. Rien à foutre. Quel connard. Déguise-toi en infirmière Jorel. Oui, c'est clair. Oh non, allez, là il va rentrer cette petite de merde. Putain. Mais c'est pas vrai. Mais quel connard, le vénard de merde. Ouh, 1000 points. Mais t'imagines tout ce que j'aurais pu avoir, mais quel connard. Connard, 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 connard. Le Pokémon F. De nature gentille et aimable, il partage ses œufs nourrissants avec les blessés, connard. Oh non, mais le nid à expérience, quoi. Incroyable. Ouais, mais on aurait pu avoir tellement plus, là. Putain, quel connard. Viens ici, toi. Je me rappelle, la première fois que je m'avais chopé un, j'étais trop content, parce que vu la rareté du truc... D'ailleurs, j'avais quand même fait évoluer en l'euphorie. Ça m'avait bien fait chier, d'ailleurs, parce qu'il est tellement mauvais, ce Pokémon, que...
assez compliqué à faire monter un niveau. Hein. Enfin, un petit coup épais. Ça sent bien. Non mais Fenard, c'est la machine à évolution. C'est clair. Ding ding. Cool. Ah, c'est vrai qu'on ne pense pas à ça. Ça va popper partout là. Reviens. Je te vois. Le roucoule qui a failli te popper dessus. Oh, non, merci. Oh bah là. Allez, rentre. Yes, mais c'est pas vrai. Mais j'ai des hyper balls là, je peux pas faire mieux les gars. Hein. Techniquement si tu peux le faire une bon, fois. Bon tu m'emmerdes. Voilà, tu me déconcentres, là, j'ai plus d'hyper balls. C'est n'importe quoi avec tes conneries là. Il va rentrer cet abouti. Non. Ça me gâte ce système de lancer là. Mais sors de là. C'est ah. J'imagine un gars qui regarderait par notre fenêtre à ce moment là. Mais qu'est-ce qu'ils font là dedans ah. Il y a toujours pas. Et je me pensais à un truc là, t'imagines si tu loupes ton lancer avec la Master Ball, quand on aura besoin. Parce que dans les jeux principaux on peut pas la louper, mais là dans celui-ci. J'imagine l'action. Va bien attendre que le truc il soit bien au milieu. Elle va compter les secondes avant qu'il ait attaqué. Marrant. Et toi que ça amuse là. Ouais, là. Ça y est, j'ai réveillé ton inquiétude. Vous n'aimez pas le parfum? Et il est encore actif, non? Bah, mon oui, il est encore. Bah, tu vois. Et ils sont où les Pokémon là? Viens ici, toi. Viens ici. Ce Pokémon n'est pas un Boostiflore, c'est un aimant à expérience. Oui. 710 quand même. Hein. Niveau 36, ça y est. Damoclès. Voilà. 120%. Ah bah. Non, bah, les attaques qui rendent confus, merci quand même. Avec la chance que j'ai, il va rester confus pendant tout le combat. Vas-y, je t'autorise cette fois. Tu peux. Au revoir, petit osselé. On t'aura pas vu longtemps, hein. Pokémon Gardos. Ce Pokémon, autrefois si petit et si faible, est devenu très féroce. Il se bat habilement armé de son os. De son os. De son os. Wow, oh, danse slam. Je sais même pas ce que c'est. De la merde. Voilà. Augmente beaucoup l'attaque du lanceur. Ouais.
mieux là quand même. Et là, il doit y avoir des stratèges derrière l'écran qui doivent péter des plombs. Donc désolé à tous les stratèges. Je suis un dresseur du niveau de Sacha. J'envoie des Pokémon et je bourrine. Non, tu connais quand même un peu plus la table des types quand même. Oui, oui, mais en même temps, le niveau de Sacha peut être surprenant. Blague là. Ah, ça me gâche. Bon, tu sais quoi, hein, tu vas venir, mais casse-toi. Voilà, dégage. Non! Casser la gueule au dresseur. La bourse ou la vie? Ouais, mais ce sera la vie, hein. Tu es le racketeur le plus nul qu'on connaisse. On est passé 50 fois derrière toi, Alex ne vaut rien. Bah, c'est pour rien. Ah, parfait! Très très bien, ça. Niveau 38, c'est bien. Voilà. On rattrape un peu notre retard. Attends, nous, on est plus notre 36. Ah oui, on n'a plus qu'à 2 niveaux de retard. Mmh. Enfin, pour eux, je crois. Oui, pour eux, parce que pour la reine, on est encore là. Hein. On a encore du boulot. Viens te frotter aux Pokémon que j'ai shippé. Ouais, t'as shippé des Chipiflore et des Roucou, là. Pas hyper impressionnant non plus. Ernest. Un colossal. En bas. Allez, cache-toi. Ah, t'as pas oublié des bonbons rapides. Non, c'est super, c'est super. Pas mal. Allez, écoute, non, ça va se faire. Comme elle attaque deux fois, ça va le faire. Ah, le con. Allez. Ça passe. Un gros tas de morve. Parfait, petit oiseau. Bon ça. Mais oui. Une telle beauté. Allez, là, super. Oh, je suis plus rapide. Là. Je suis plus rapide de ce machin. Là. Le détritus. Ah. Bien ça. Ça va, il est pas empoisonné. Ça va. J'ai plus mon rang pour la sécurité, mais c'est passé. Pas possible. Et si. Du coup, nous allons aller au centre Pokémon et on va casser la gueule au plus de dresseurs possible. Changement de strat. Avec un petit bouclier au passage. Voilà. Déjà rien que de faire les dresseurs alternatifs aussi, ça va t'aider à monter. Oui, 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 c'est pour ça. Voilà. Est-ce que vous voulez bien tout intégrer là, parce que... Quoi, je l'ai pas eu. C'est une blague là.
Et hop, compris, vous avez attrapé 310 points. Wow. Ça suffit à répondre. Bonjour, papa. Alors, est-ce qu'il sera un peu plus coopératif que le dernier ? On chien aujourd'hui les roucoutes. Et ça suffit à notre ami Dracofeu. Voilà, voilà. Et pas d'autre prénom. Non. Et les autres dresseurs vont être contents que tu te barres. Ah, enfin, on va pouvoir capturer des Pokémon. Vous pouvez aller au beau parc. Ah bah non, il sert à rien. Bon, après, Kangourex, on l'a déjà. Bon, on n'a pas l'eau classe. Même d'habitude, dans le parc Sentai, t'as toujours le plus sympa à attraper. Oui, je sais bien. C'était pour minimiser ta déception. Ça ne marche pas. Parce que là, de ce qu'on a vu, il n'y a qu'un Loclas que tu n'as pas et puis un Ramolos. Bon. Non mais un Ramolos. On a déjà eu ce débat. On l'a déjà eu, mais je te dis que si là j'en trouvais un, il y avait moyen que Gladiator dégage. Ah mais carrément. Mais oui. Mais il n'y a pas de... Il peut pas apprendre des attaques dragon, Ramolos. Mais c'est un Ramolos. Non, non, mon amour pour Ramolos est indéfectible. T'imagines que tu peux te passer de type dragon, enfin d'attaque dragon. Ouais. Ouais. Pour un Ramolos. Oui, exactement, pour un Ramolos. Il est génial ce Pokémon. Pourquoi t'es allé là? Ah oui, je croyais que t'allais farmer les dresseurs. Mais ça va pas, hein. Mais j'avais compris ceux de l'arène en fait. Ah non. Non, après. On entraîne encore un tout petit peu au statuaire et après on y va. Nimitos! Oh non, la revoilà, putain! Ah, vous voulez pas nous racketter cette fois-ci? Ah bah c'est bizarre, toi. Je vais tester les Pokémon que j'ai échangés avec mes amis. Selena, la top dresseuse, va nous envoyer un Aqualy. C'est la première fois qu'on en voit un. Oui. On a de la chance d'avoir un évolu qui a voulu évoluer. Oh putain, elle est méga bien modélisée. J'aime beaucoup. Ah, ça tente pas le Fatal Foudre. Non. On est sage. On est sage. Très bien. Ah, elle est puissante cette attaque. Hein. Ouais. Ça y est, c'est pas ça. Tiens,
mettre en colère, moi. Là. On est pas loin, là, hein. Alors, va-t-elle nous donner d'autres Pokémon de qualité? Rio. Par contre, c'est du point d'expérience assurée, ça. Ils aiment pas trop le feu. Hein. Le feu ? Ouais. Non, c'est l'électricité qui fait. Ouais, l'électricité, oui, mais je crois qu'ils aiment pas trop le feu. Je sais pas. Oh non ! C'est spectral. Merde, vous êtes passé. C'est sympa. Ouais, mais c'est tout le chaos là. Et voilà. Il faudra donner du fil à retordre. Ouais, quand même. Un sablero. Elle aura quasiment vu toute ton équipe. Ouais. À part Tena. Voilà. Ça aurait été beaucoup plus simple, lui. Oui, beaucoup. Oh, j'ai perdu. Oh, mince. Ah ouais, mais elle a du pognon et 5 hyperboles quand même. Ça valait le coup. Ça, ça voulait dire. Mais occupe-toi de moi, bon sang! Oh, j'ai mal aux pieds, moi. Grosse feignasse. Non, mais on court hyper lentement. Ah, je pensais vraiment pas qu'on était à autant la ramasse niveau quand même. À part la reine plante. Mais... Finalement. Oh, j'étais en train de regarder les dresseurs qu'il y avait en haut, j'ai même pas vu. Ouais.
putain, il me prend chaque fois là. Allez, mais je suis droite là. Oh, ça me gaffe. Ah! C'est maintenant qu'il faut rentrer. Tiens, mais... Vraiment, je comprends vraiment pas le système de voiture. Tu fais un excellent errant pas, tu fais un tir tout pourri, sans rien, sur le côté et tout, et ça marche. Et puis ça remet en compte aussi les propriétés des balles aussi. Non, vraiment, je comprends pas. Vraiment, quand tu fais un excellent, ça doit être top. Je comprends pas pourquoi ça plante comme ça. T'es en excellent avec une hyper balle. Oui, en plus. Ou le vilain taureau. Ça va. Ah, quand même. Et Fenard, c'est la flèche montante. C'était ton Pokémon le plus faible il y a un ou deux épisodes de ça, maintenant ouais, c'est ton plus fort. J'allais dire, oh, ça tue. Non, mais non. Ah, bah c'est le mien. Ah, bah c'est quoi? Allez viens, on a la tête que tes Pokémon vont faire quand ils verront les miens. Ça, c'est parce que tu n'as pas vu les miens. Et on parle pas d'évolution de notre tête. Waouh, grâce à ça. J'avais jamais vu ça. On va aller à la Team Rocket, lui. C'est vrai. Non, non, pourquoi je me suis calculé ça. C'était l'appel de l'Osmo. Ouais, c'était plus fort que ça. Ah oui, c'est mieux. Et hop. Un autre rat-attaque par Momo le Vaurien. Même pas un Dalmola, non. Classique, classique. Parce que Dalola, ils en montrent que pour les échanger, non? Oui, oui, oui. Et lui, je suis impressionné en voyant son équipe. Ça fait un peu lourd, hein. Et voilà. De ma vue. Oh là là, c'est cool. Attends, ça ne vaut rien. Non, ça va pas être suffisant. Hein. Même ça, c'est pas suffisant. Parfait. Il y a le big boss des Vauriens en haut ou quoi? Oui. Le gros Booba. Combat Pokémon, carrément, allez go! Malik. Un Rhinocorne. C'est plus un type sol, lui, il a pas eu de type encore. Si, il a sol et roche. Que c'est que ça? Tu me dis.
critique l'enfoiré. Ouais. Oui, il va mourir quand même. Hein. Voilà. Fallait pas échouer par contre. Non. 218, c'est tout. Non, mais il rapporte que dalle, c'est ouf là. Non, mais c'est vrai, attends, c'est un rhinocorne. Mais. Ça, c'est abusé. Je sais pas comment il gère l'expérience non plus là-dedans, hein, mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Hein. Ouh, ça met la pression pour Pokémon épée bouclier, ça. Ah ouais, non, là. Déjà, rien que le système de capture, là, ça me rend dingue. Tu sais pourquoi on vient zoner ici avec mes potes? Pour être au calme, alors dégage. Non, mais dis donc. Gérald. Ah! J'ai pas dit qu'il était beau. Yes. Ah, c'est vachement puissant quand même. Yeah. Ouais. Je me suis fait écraser. J'aime bien la petite Pokéball posée paisiblement. Parfait, je m'ennuyais. William. Sauvant. Oh. Je ne peux pas ne pas la perdre. Touché deux fois. Apparemment, elle n'aime pas Smogogo. Non. Avec son pain de smog. T'as sa sous-attaque, je sais pas d'où elle sort, mais. Les stats sont revenus à la normale. Voilà, Smogogo est disparu, c'est bon. Le vilain est parti. Le moche. Eh mais non, en fait c'est pas William Sorin, c'est William Vaurien. Oh y'a yeah, yeah, et après la mienne était nulle quoi. Attends, ça se faisait moi je dis hein. Ouais, je ne sais pas ce qu'il a. Une potion. Non, pas les potions. C'est dégueulasse. Je comprends pas, mon Pokémon veut pas évoluer. Ah, il y a peut-être un Evoli. Ou un Pikachu. On l'appelait Patate si c'est un Pikachu. Loris le Loubar. Un Machopper. Ah bah oui, c'est une pierre. Mais il faut une pierre. Il était con, hein. Non, il faut l'échanger. Ah lui, c'est l'échange, ok. Ouais. Ça lui va bien comme Pokémon, je veux dire. Ouais, c'est vrai, c'est un peu de pareil. Ah, effectivement, c'est moins puissant, hein. Oh, je vais faire que ça, cette bouffon. Bon, enfin, là, je pense qu'il est même avec ça, il est écrit. Hein. Ouais, ça va le faire. Le petit bout de PV à la fin, il m'a fait hésiter, mais... Ça va pas à la tête. De quoi? On dirait qu'il va faire... il va piquer sa crise. Ouais, c'est clair, il va se rouler par terre, hein. Non.
une pépite. Et du coup, nous allons nous quitter sur ce dernier combat phénoménal. Voilà. À droite, t'as qui ? À droite, t'as un ornithol. Deux ornithologues, tu as pas fait celui d'en bas. Ouais. Bénanade. D'accord. Allez. Ok. 51 minutes. Donc on espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker comme d'habitude. Nous on se retrouve pour le prochain épisode pour l'arène de type poison. On y sera. Allez, on vous fait des bisous, on dit à bientôt. Salut à tous. Salut tout le monde.